bien calme. Vraiment ? Pas à Bottle Street, à ce qu'il paraît. On dit que la garde ne peut pas mettre les pieds à la chose. Je te dis que c'est de la folie, s'il nous surprend ici. Combien de fois dois-je le répéter ? Campbell est à l'étage avec le capitaine de la garde. Il en a pour des heures. Continue de chercher. Et je t'ai déjà dit 100 fois, Archer, qu'il ne se sépare jamais de son livre noir, j'en suis sûr et certain. Si tu m'avais écouté dès le départ, nous n'aurions pas fait tout cela pour rien. Chut, écoute, qu'est-ce que c'est ? Reste si tu veux, et moi j'y vais. Lui-même possède 5 attributs par lesquels il espère vaincre les joueurs. Il est patient, attendant inlassablement, jour après jour, de surprendre un instant de faiblesse ou d'imprudence qui lui permettra de montrer notre cœur. Il est subtil, car nous œuvrons pour lui à nos issues. Elle a même dit que... Geralt dies. Que dois-je faire ? Préoccupant. Les jeunes femmes comme elle succombent facilement à l'outsider, si elle n'y a pas déjà cédé. Thank you.
sans encombre. On raconte que la garde a du mal à contrôler les rues. Des enfants qui jouent. Rien de plus. Je vois. Et votre nièce, Calista, n'est-ce pas? Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Nous la trouverons. Mes hommes passent la ville au peigne fin. Calista est une femme ingénieuse. Elle a sûrement trouvé à se réfugier quelque part. Je vous préviendrai si mes superviseurs découvrent quoi que ce soit. Buvons. Joignez-vous à moi, j'insiste. La discussion passera d'autant plus vite. Tiens. Un domestique a dû la fermer en sortant. Voyons. Ça n'a pas l'air d'être la bonne. Pas celle-ci. Ah, la voilà. Si vous voulez bien me suivre... Vous serez relevé quand ce sera terminé. Trouvez-vous de quoi vous occuper en attendant. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Oh, ne m'en parlez pas. Toute cette histoire pour une cata. Prendrez-vous du vin? C'est un rouge de Ivia. Merci. Bien, venons-en. Que s'est-il passé la nuit dernière? À vrai dire, je n'en suis pas sûr. Mes hommes, vos superviseurs, quelques belles de nuit, peut-être un peu trop de vin. Une farce innocente avec une poule et 10 minutes plus tard, Rivers Alley n'est plus qu'une mare de sang. J'aurais presque aimé être là. Vous êtes arrivés sans encombre. On raconte que la garde a du mal à contrôler les rues. Des enfants qui jouent. Rien de plus. Je vois. Et votre nièce? Calista, n'est-ce pas? Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Nous la trouvons. Mes hommes passent la ville au peigne fin. Pauvre enfant. Calista est une femme ingénieuse. Elle a sûrement trouvé à se réfugier quelque part. Je vous préviendrai si mes superviseurs découvrent. Joignez-vous à moi, j'insiste. La discussion passera d'autant. Tiens. Un domestique a dû la fermer en sortant. Voyons. Ça n'a pas l'air d'être la bonne. Pas celle-ci. Non. Ah, la voilà. Vous serez relevé quand ce sera terminé. Trouvez-vous de quoi vous occuper en attendant? Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Oh, ne m'en parlez pas. Toute cette histoire pour une cata. Prendrez-vous du vin? C'est un rouge de Ivia. Merci. Bien, venons-en. Que s'est-il passé la nuit dernière? Je n'en suis pas sûr. Mes hommes, vos superviseurs, quelques belles de nuit, peut-être un peu trop de vin. Une farce innocente avec une poule et 10 minutes plus tard, Rivers Alley n'est plus qu'une mare de sang. J'aurais presque aimé être là. Tu as participé aux fouilles la nuit dernière? Et comment? 6 heures à fouiller le bâtiment et rien d'autre à grailler que ce qu'on fourgue aux miséreux. Et en plus, on n'a rien trouvé.
sur le champ. Je t'ai dit qu'une fois, un des volets du premier étage s'est coincé et que j'ai essayé de prendre la tangente. Mais j'ai pas pu descendre. C'est le temps que je revienne. J'ai dû attendre la fin de l'alerte sur un rebord de fenêtre. C'est peut-être un peu. Mais ça va mal aller. Je sais que vous êtes là. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. S'il revient, je vais obtenir une autre promotion. Arrêtez! À moi, la garde! Allez, crève! Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Je vais vous trouver. Il me faut... Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état maximal. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue.
Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Où es-tu ? Ça va mal se passer pour vous quand je vous aurai trouvé. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Je sais que vous êtes là. Reprenons depuis le début. Ça va mal se passer d'organiser son attaque. Vous allez saigner, soyez maudits. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Sur le torse et le visage. Des marques hérétiques probablement. Et elle portait un genre de masque industriel quand on l'a serré. Sûrement dérobé dans l'une des usines balayées. T'es un gars d'Aude, pas vrai? On te tient, enfin! Donne-nous un nom au moins. Regardez ses yeux. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Il est mort. Visez ça, une aiguille cachée dans son gant. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées.
présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état de... maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes et exécutez tout intrus à vue. Attention, nous sommes en état d'alerte maximale. Les issues sont verrouillées. Présentez-vous à vos postes. Je ne vais pas rester ici. Ah, je vais vous trouver.
Et tous pour le chien. Donnez votre cœur au chien. Je ne vais pas rester inactif. Montrez-vous. Je vous entends, salopard. Je sais que vous êtes là. L'efficacité de la partie. Dolger est indéniable. Tout comme la beauté mathématique de sa musique. Après avoir vu si souvent son effet contre les pratiques interdites, impossible d'en douter. Mais il reste une question délicate. L'incantation est-elle une forme de magie noire? Que renferme ces précieuses boîtes? Où est-il? Je sais que vous êtes là quelque part, ordure. Ah, je vais vous trouver. Quand je vous aurai trouvé, ça va mal aller.
vous. Hey, Corvo. C'est Samuel. Par ici. D'après ce que j'ai entendu, Campbell a vécu dans le luxe. J'ai peut-être pas le droit de dire ça, mais je pense que les hommes d'église ne devraient pas vivre comme des barons. Vous êtes prêts à partir ? Très bien, en route. L'amiral Havelock et Lord Pendleton sont dans la cour. Je suppose qu'ils veulent nous féliciter. Il est en vie. Merci, Corvo, merci. Mon oncle est un brave homme, et un jour il le prouvera. Tenez, je sais que vous avez agi pour les bonnes raisons, mais je veux vous offrir cette récompense. C'est un vieil héritage que je tiens d'une de mes tantes.
tous corrompus. Ça marche. Nous devons éliminer le Lord Régent et tous ses alliés clés. Vous le savez. Oui. J'espère que les grands superviseurs vont prendre part sur cette voie. Et nous devons trouver la fille, Emily. Bon. Qui sait ce qu'elle a en tête après avoir vu sa mère se faire. Votre attention. À mon avis. Vous avez réussi. Vous nous avez débarrassé du grand superviseur Campbell contre toute attente. Je savais que vous étiez notre homme, Corvo. Avec Campbell en moins, le Lord Régent est grandement affaibli. Et avec Martin, nous avons le meilleur stratège possible. Le Lord Régent doit sûrement se faire dessus à Dunwall Tower. Oui, et le journal de Campbell, ne l'oublions pas. Notre espoir, c'est que dans ces pages codées, nous puissions trouver l'emplacement et l'état actuel d'Emily Caldwin. Tous nos efforts seront vains si nous ne mettons pas le bon héritier sur le trône. Nous devons faire vite. Le Lord Régent détient forcément Emily quelque part. Il attend pour la dévoiler et jouer les héros afin de renforcer sa régence. S'il ne s'affiche pas avec la demoiselle sous peu, la noblesse va s'entre-déchirer pour la succession de l'impératrice. Oui, le temps joue contre nous. Mais pour l'heure, allez vous reposer, Corvo. Nous allons déchiffrer le contenu du journal du grand superviseur et nous en parlerons plus tard. Je connais le Golden Cat. Pas en tant que client, attention. J'ai conçu des appareils spéciaux pour la patronne. Je possède toujours les plans pour les personnes intéressées. Non. Je vous apporte le thé par simple courtoisie. Soyez certain qu'on ne m'y reprendra plus. Ah, pardon, j'ai pensé que... Peu importe. Merci pour le thé. Je dois retourner voir l'amiral. Il doit me parler. Maître Pierrot a beaucoup à apprendre dans certains domaines.
chaque citoyen a le devoir de dénoncer tout propos ou acte séditieux. L'État a besoin de vous.